Une image de l'actrice ghanéenne Jackie Affia qui laisse beaucoup de personnes dans le questionnement. Ceci est une nouvelle assez triste pour le Ghana qui va certainement vous laisser sans voix. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Beaucoup sont ceux qui se demandent où est passée l'actrice Jackie Affia durant tout ce temps d'absence. Comme vous l'avez vu sur l'image en début de cette vidéo, l'actrice traversait une longue période assez difficile. Quelle est l'origine de ce malheur? Vous allez avoir les réponses dans cette vidéo. Si vous avez bonne mémoire, il y a quelques années de cela, nous avons été mis au courant d'une éventuelle relation entre l'actrice avec le président libérien George Weah. Après que les deux se soient affichés et que Jackie Affia a été présentée comme la deuxième femme du président, la colère de la première épouse de ce président n'a pas perdu le temps à se réveiller. La femme du président libérien George Weah avait réagi aux polémiques sur la possibilité d'un second mariage de son époux avec l'actrice ghanéenne Jackie Affia. Claire Weah, épouse du président libérien George Weah-Opon Weah, n'est pas passée par quatre chemins pour dire ses vérités à l'actrice après l'annonce de son mariage avec son mari. La première dame est sortie de son silence pour inviter Jackie Affia à mettre un terme à sa relation avec son mari, si les polémiques qui alimentent les réseaux sociaux depuis des années sont vérifiées. Vous connaissez tous comment sont les Libériens quand il s'agit de leur mari. Jackie Affia a certainement pris les propos de la première dame pour un bluff et a payé le prix fort pour cela. Les raisons de cette longue période d'absence sont dues à des raisons personnelles, rien à voir avec cette supposée relation. D'après les déclarations de Jackie Affia, elle accuse l'industrie du cinéma ghanéen pour le manque de production, raison pour laquelle elle n'est plus sur le feu des projecteurs, et ceci est de même pour le reste de ses collègues. Mais l'actrice est très présente sur ses différents réseaux sociaux. Ceci est tout pour cette vidéo, abonnez-vous pour les prochaines.